OTIES, on travaille à trouver des solutions concrètes à des problèmes rencontrés par les acteurs de l'économie sociale et du développement territorial partout au Québec. Pour ça, on réunit des personnes issues du milieu de la recherche et d'autres qui œuvrent sur le terrain pour faire évoluer les connaissances et transformer les pratiques. Cette manière de croiser les savoirs, les expériences et les visions, ça porte un nom. Et c'est ce qui fait notre force. Dans le fond, on travaille avec des personnes qui ont des savoirs différents, mais tout aussi importants pour faire face à des enjeux qui touchent tout le monde. Par exemple, dans un de nos projets, nous avons rencontré 40 entreprises d'économie sociale dans 11 régions. En gros, ce travail a mené à l'établissement de modèles d'affaires qui aident les entreprises à prendre des décisions, à l'accélération du déploiement d'initiatives innovantes et à plusieurs activités et formations, mais aussi à trouver du financement pour un nouveau réseau international de recherche, puis à faire émerger de nouveaux projets sur le rôle de l'économie sociale dans la transition vers une économie circulaire. Pour un professeur-chercheur comme Ismaël, participer à un projet avec nous fait en sorte que ses cours sont plus riches, plus ancrés dans le réel parce qu'il peut utiliser les connaissances et les outils développés avec l'OTIES. Les rencontres qu'il fait le sortent de son cercle habituel et les travaux faits avec l'OTIES propulsent ses activités de recherche. En plus, il se sent vraiment utile. Son travail sort des murs académiques, il rejoint de façon concrète les personnes qui peuvent bénéficier de son apport. La mise en réseau et les connaissances produites dans nos projets permettent aussi à un entrepreneur comme Marie-Pierre d'avoir de l'aide pour résoudre un problème rencontré au cours de ses activités, d'échanger avec des personnes qui se posent les mêmes questions qu'elle, d'augmenter l'impact de son entreprise, consolider son modèle d'affaires, tester des stratégies. Reconnaître que chacun a une partie de la solution, c'est essentiel pour faire naître des innovations sociales et aller plus loin. Ça permet de changer le monde ensemble.